attention, please. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de RimWars de la chance. Donc c'est parti, on essaye de survivre tant bien que mal. Il faut qu'on crafte pour augmenter notre énergie, parce que sinon on n'y arrivera pas. Parce que tant qu'on pourra pas chauffer ici, on pourra pas faire pousser des patates et on pourra pas s'en sortir. Souvenez-vous, dans les épisodes précédents, on a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'attaques, beaucoup d'emmerdes. Là, ça s'est peu calmé sur la fin de l'épisode 9, mais faut se méfier. Pardon, à l'heure où je tourne ces épisodes, il fait toujours aussi chaud dehors. Je suis en nage, j'ai un super beau ventilateur à côté de moi, mais je peux pas le mettre en route. Pardon, parce que... ça va faire du bruit de vent dans le micro et tout ça, donc c'est chaud quoi. Il fait chaud les enfants, il fait chaud. Hop, ça joue. Alors soi-disant, mais je ne suis pas sûr que ceux qui jouent à ça augmenteraient leur capacité de tir. Je sais pas, j'ai pas réussi encore à vérifier. Ouh là, il y a de quoi chasser, là il y a de quoi chasser. Hop, allez. On va me chercher de la bouffe, c'est quoi ça? Ah, Furx, mon fou. Furx. Furx ou pas Furx. Furx, il va mourir. Là. C'est quoi cela? Ça, c'est des... hop, pause. Arrêtez de bouger. Ça, c'est des Rimdogs. On va les chasser. Je sais pas pourquoi. On va éviter les Rimwolf, parce que s'ils deviennent manhunter... ils viennent en meute. Pas sûr hein, de ce que je dis, hein, mais voilà. On se méfie de ces... j'allais dire saloperie. Bah oui, je le dis, saloperie. Quoi ça? Il peut pas y avoir d'autres types d'animaux. Moi, j'aimerais bien des buffalo. Ils sont loin, eux. Hein. Bah, ils sont peut-être loin, mais il y en a paquet. Ah. De l'acier. Hop. Du... non, c'est ça que je veux choper. Hop. Hop, 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 hop. Allez, c'est reparti. Ce serait bien quand même que vous me finissiez là, le générateur. Je sais pas où on en est des steel bars, puisque vous n'avez pas attaqué la construction de ça, vous n'avez pas attaqué la construction de ça. Frigand, je crois que c'est toi qui peux construire. Hein. Allez, on essaie de me finir ça. Allez, on essaie de me finir ça. Allez, on essaie de me terminer ça. Après, on me fait ça. C'est bien, Frigand. Lui, c'est le meilleur élément pour le moment de la colonie. Et non! Et non! Et non! Aïe, 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 aïe! Matériel. Escubuse. Matériel. Arquebuse. Et sabre. Et ils sont combien? 3. 3 ou 4? Là, ils sont vachement entassés, là. Et là. Moi, je dirais qu'il y en a 3, là, non? Il y en a un dans ce tas-là, non?
Ils attaquent tout de suite? Ah non, les gars. Hein. Non. Non. Ils ont l'air d'attaquer tout de suite. Ouais. Ok. Bon, ils arrivent de là-haut. Alors, Jack. Ils arrivent de là-haut. Jack. Comment qu'on va se mettre? Parce qu'ils peuvent venir par là. Jack, mets-toi là. Sam, en couverture de Jack ici. Frigone. Frigone. Ici. Ici. Oh là là. Frigone. Antoine. En couverture là. Strike. Pour le moment, tu vas te mettre là. On va voir qu'est-ce qui se passe, comment ils arrivent. On va voir. On essaie de voir comment ils attaquent. Alors. Allez, Sam. Sam. Elle va se soigner. Voilà. Hop. Pas trop mal. Voilà. C'est pas trop mal. Sam, elle a morflé. Sam. Oh là là, jambe gauche. Elle va perdre sa jambe. Poumon gauche. Oh là 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 là. Sam qui va te soigner. Antoine. Hop. C'est Antoine qui va te soigner. Ah là 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 là. Tu vois, Frigan, je regrette pas puisque de toute façon on n'a pas le temps de s'ennuyer. Allez, chargez-moi le générateur là. Antoine, il est en train de soigner Sam. C'est bien. Allez, tu nous mets le Kidling dans ce générateur pour essayer de recharger les batteries. Je dis bien pour essayer. Est-ce qu'on a assez de production? On a l'air d'être en positif. Difficilement, mais on est en positif. Mais ça commence à se charger un peu. C'est déjà mieux que rien. Mais il faut nous faire du Kidling. Niveau de nourriture faible. On n'a plus de bouffe, en quel honneur. Attendez. On n'a plus de bouffe. Mais c'est quoi ce délire? Attendez, il fait moins 10. La bouffe peut pas pourrir. On n'a plus de bouffe. On a demandé à chasser. Qu'est-ce qu'ils foutent? Il n'y a plus d'animaux. C'est quoi ces conneries? Mais c'est quoi ce délire? Elle est où la bouffe? Non, là je suis pas d'accord. Là il y a un problème. On avait pas mal de bouffe à un moment. On est d'accord. Bon bah on va chasser tout ce qui passe sous la main. Non, tant pis, hein, tout ce qui passe sous la main. Là franchement, il y a beaucoup de choses qui vont pas. La bouffe, elle est disparue comme ça. J'ai l'impression que la bouffe pourrit comme ça. Allez. Ah là là. Non, là, je suis...
Non, là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Optionnellement, Antoine, je veux juste vérifier que l'on pourrait pas. Besoin de matériaux. On se sort pas. On ne s'en sort pas. Antoine, Antoine, qu'est-ce qui. On ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez de. Sam, depuis quand tu te mets à miner? Sam, t'as vraiment rien d'autre important à faire, tu peux pas cuisiner. Eh ben moi je vais dire que tu transportes et tu plutôt que de miner. Parce qu'à la limite j'aurais préféré que tu coupes du bois là. Hein? Oui, j'aurais préféré qu'elle coupe du bois parce que là du bois, on en a plus. Ça y est, elle se remet à cuisiner. Et en attendant, là, il fait 15 ici, 12 là. Ah, on commence un peu à réchauffer la colonie. Mais bon, c'est sûr, il fait moins froid dehors. Qui était censé couper du bois? Sam, tu vas quand même priorité. Il faut quand même couper le bois. Hein. Il faut. Ah, vous m'excusez si vous m'entendez souvent boire. Parce qu'il fait toujours 40 degrés, voire peut-être plus. Là, j'ose même pas regarder le thermomètre. Ah, c'est catastrophe, cette canicule. Allez. Ah bon, tu chasses au... Ouais, l'arbalète, ouais. Du moment que oui, de toute façon, il faut chasser, on a besoin de bouffe. C'est pas grave. Sam, ok. Par contre, les seeds, s'ils commencent à se réchauffer, on va les perdre. Antoine. Hop, on va les perdre. Et Antoine, on ramasse des seeds. Allez, je veux pas perdre toutes les seeds. On va essayer d'en récupérer quand même un certain nombre. Antoine. On va essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Famine, oui. Ben oui, famine, je sais. Là, on nous a fait le chauffage. Non. Fait un degré. On pourra pas faire pousser quoi que ce soit. Ya. Faudrait des bras, des mains. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud. Allez. Voilà. Ici, on avait demandé de crafter des choses. Est-ce qu'il a crafté? Donc là, il me les a craftés, mes amis. Où? Alors, il nous a crafté quoi? Ça, c'est quoi? Un peg leg, un wooden foot, wooden foot. Donc, on avait dit l'handicapé. Il lui fallait mouvement, jambe droite mordue. Donc, si on lui dit ajouter une tâche... Pas d'herbe. Ah. On pouvait les installer, mais il nous faut des herbes médicinales. Bravo. Donc on ne peut rien foutre sans herbes médicinales. Ok. Ok, si au moins il me finissait la recherche commerce, ça m'arrangerait un peu. Un peu beaucoup même. Là, on a de nouveau plus assez d'énergie parce qu'on fait pas de kidling. Mais arrêtez de faire des planches là, vous n'avez pas besoin de planches. Vous me faites du kidling. Voilà. On me fait du kidling. Il faut remplir les kidling. Ah, faut en faire plus.
200. Quoi? Visiteurs. Visiteurs. On va aller les voir. On va essayer de discuter avec eux. Gentil. 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 Et gentil. Et c'est parti. Et Gizmo, il est lent. Hein. J'allais dire, j'aime bien Gizmo, mais il est lent. Et voilà. Alors. Une épée, ça devrait le faire. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Lui, il a rien du tout. Et ils ont deux hand canon. Ça, j'aime pas. Parce que ça, ça, les hand canon, ça fout le feu. Est-ce qu'ils attaquent tout de suite? Eux, ils vont peut-être pouvoir nous aider. J'aimerais bien qu'ils attaquent tant qu'ils sont là. Ils vont où, eux? Pourquoi vous allez là? Non, venez là. Aïe, 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 aïe. Il se passe pas un épisode sans que j'ai un raid, un manhunter. Et Frion, t'aurais voulu que j'arrête ce let's play? Bah ouais. Je me demande si... Voilà, là moi je me dis, j'ai bien fait de continuer. Je pense que t'es de mon avis aussi, puisqu'il y a de l'action, du mouvement. Allez, attaquez là les gars. Il lance l'assaut. Oh. Et nous, on va essayer de jouer les malins. Et on va se mettre là. Jack. Il va se mettre ici. Il tire à distance. Frigon. Il tire pas trop loin. Il va se mettre là. Sam. Elle va se mettre ici pour protéger. Elle veut pas. Bon, bah là, pour attirer. Antoine. En couverture. Ici. Non, ici. Et Strike en couverture ici. En espérant les attirer là. En espérant hein, qu'ils viennent là. C'est pas obligé, puisque comme on a eux, ils vont peut-être nous aider. Frigon, je te sens mal. Oula, c'est bien ce que je disais. Aïe, 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 aïe. Antoine, bouge, bouge. Sam. C'est bon. Merci les alliés. Hop. Lui. Sam. Hop. Hop, 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 hop. À poil. À poil. Poil. Hop. Ah là 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 là. À poil. Quel infamie. Agent. Toi. Tac, tac. Tac. Et ben. Pardon, j'ai bu.
désolé. Et ben, c'est quand même balèze tout ça. Vraiment pas un seul épisode sans qu'il y ait c'est dingue hein. Ouais. Et là, du killing. Maladie infection, qui? Agent, à la limite, pas trop grave. Par contre, ça me plaît pas, maladie infection sur... Je sais pas. Ouais, bah oui, on n'a pas de chance de soigner vu qu'on n'a pas de médicaments. Maladie infection, qui? Antoine. Ah non, c'est pas bon sur Antoine. Et puis... Maladie infection, sur qui? Antoine. Ah ouais, c'est pas bon. Jambe gauche, c'est pas bon. Pas bon. Capsule de cargo, ce serait bien que vous me lâchiez des médicaments. Décide, oh là 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 là. Il en faut tous des traitements. Je crois qu'on va tous les perdre de maladie. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive, Antoine? Antoine, ouais, t'as besoin d'un traitement et t'as faim. Sam, tu peux pas... Non, le nourrir, ne serait-ce que le nourrir. On peut pas le nourrir parce qu'on n'a plus de bouffe de nouveau. Mais c'est quoi ce délire? Attendez, la bouffe, elle... Comment ça se fait, ça, qu'il n'y a pas de bouffe? On a demandé de chasser, là, bordel. C'est pas possible. Il y a un problème. Hein. On a bien demandé de chasser. Ouais, mais tous mes chasseurs sont où, je parie. Oh là 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 là. Vous savez quoi, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre. L'agent est totalement guéri. Ah ouais, d'accord. On guérit d'abord les prisonniers et on laisse crever nos colons. Ouais. C'est un choix. Allez, on me fait du killing, là. Tu me fais quoi, là, frigande? Mais oui, mais il faudrait mettre dans ces générateurs, là. Quoi? Un colon a besoin de soins. Qui? Où? Comment? Frigande, mais il faut me soigner, frigande. Mais je sais, on n'a pas de médicaments. Quoi? Mauvaise humeur. Qui est de mauvaise humeur? Qui est de mauvaise humeur? Quoi? J'ai pas lu là. Vanik Winter, là, je sais pas quoi. J'ai pas compris. J'ai pas lu. Mais. Faut chasser là. Faut ramener de la bouffe. Il faut me faire du killing. Voilà. Faut me fabriquer du steel bar. Faut mettre le chauffage ici pour faire pousser de la bouffe. Parce que là, il faudra que je mette une lampe solaire. Parce que, et puis, oh là là. Lampadaire, lampe solaire, c'est dans... On n'a pas les lampes solaires. Ouh. Table. Ah ah. Nous n'avons pas les lampes solaires. Si, non, non. Si, ouf. Mais le problème, c'est que tant que ça sera pas chaud là-dedans, ça ne poussera pas. Donc, faut me faire, Antoine, du steel bar. Il faut me faire, Frigorn. Besoin de matériaux. Ici, c'était pour faire quoi? Je sais plus. Je sais plus ce que c'était ici. Et là,
ça c'était pour faire un mec glace, ouais, d'accord. Et là, on le recherche, ok. Frigon, fais-nous du steel bar, t'as raison. Ah la cata. Et en réparation, on aurait. J'ai mis personne en réparation. Ah, on n'a plus personne en construction. Ah. Bon, Frigon. Tu construis, tu répares. Tu craftes. T'as l'habitude. Sauve-nous la base, comme d'hab. Comme d'habitude. Franchement, Frigon. Je sais que tu regardes les vidéos, donc je te parle directement à toi, parce que pour le moment, les autres sont pas assez assidus. Antoine, si. Antoine, de temps en temps. Regrettes-tu vraiment que j'ai continué ce let's play? On ne parle que de toi, hein, t'es le meilleur colon. Tu sauves la situation, merci les avions de la base de près où j'habite. Et hop, je suis désolé pour ce bruit. Aïe, il fait tellement chaud et ils sortent, ils pilotent. Bah oui, tu me dirais. Hein. L'armée de l'air, faut toujours qu'elle soit au top. Donc, on a fait ça, mais on a... Frigon. Frigon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Sam, oui Sam, sommes-nous Frigon? Non, mon petit Frigon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah non, infection extrême, il va perdre son bras. On n'a pas de médicaments pour le soigner. Non, y a tout le monde qui tombe dans les pommes, tout le monde est malade. Non. Oh là 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 là, c'est la cata. Ah non, on va pas s'en sortir, on n'a pas de médicaments. Bon ben finalement, ce let's play, Frigon, non, Jack, non, tout le monde meurt, non. Non! Antoine, non! Bon ben Frigon, je crois que t'auras droit à ton let's play saison 2 en Boréal avec une IA moins méchante. En plus, on arrive sur la fin de cet épisode. Je crois que ça sert à rien que j'essaie d'insister. Hein, j'aurais poussé... 4 épisodes de plus en espérant faire quelque chose. Bon ben voilà, vous avez vu que c'est quand même assez compliqué en modé. Hein, comme dès qu'on n'a pas l'électricité du premier coup, c'est difficile. Donc on va dire que... Ben voilà, hein, je suis triste. Ah, je suis déçu. Bon, on n'arrivera pas à s'en sortir, là, on n'arrivera plus à s'en sortir. Donc voilà, donc ce let's play s'arrête là, hein, on va pas insister, on se rend compte qu'on a très mal démarré et qu'on peut pas continuer. On va démarrer assez rapidement, bon, pas tout de suite, laissez-moi le temps de me remettre de mes émotions. Hein, on va essayer rapidement de recommencer un nouveau let's play, donc ça sera Rimworld The Last Chance saison 2. On aura toujours mon personnage principal, Jack, Sam et Daniel. Ça, je ne déhocherai jamais. Et j'ai toujours pas eu la réponse. Qui sont ces trois persos? D'où je les ai tirés? Donc, à vous de me répondre. À vous de me le dire. Et je vous dis à bientôt pour... Frigon va être content. Ouais, je l'aurai, mon let's play, dans le froid, forêt boréale. Mais pas avec la même IA, hein. Je vous préviens, je prends l'IA la plus clémente, hein, parce que là, non, non, faire des let's play comme ça, je m'amuse pas, je stresse de trop. Et encore, je suis sûr qu'avec même l'autre IA, on va galérer. Voilà, merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Pensez à liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt pour la saison 2 de Rimworld The Last Chance. Bye bye!